Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le JT de la grosse émission. Beaucoup d'actu. Très peu d'infos. On ouvre tout de suite ce journal. Avec un ouvre-boîte. Pan. Vous l'avez pas vu venir, ça dit. Justice. Karim Benzema a été mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Aïe, aïe, aïe. Il va finir hors jeu. Ah oui. En tout cas, les enquêteurs touchent au but. Il va falloir que l'attaquant soit bon en défense. S'il finit en prison, Karim sera-t-il la terreur des gardiens? Et si Karim dit... Quand... Ah oui, Santé. 7 cas de dingue ont été recensés dans un quartier de Nîmes. Putain, c'est dingue. C'est dingue. Wow. Ah, vous me grondez pas aujourd'hui? Non, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis de bonne humeur. Ah bah super, je vais faire mon reportage. Insolite. Ah non, compétence. Compétence, ce matin sur RMC, la ministre du Travail n'a pas su dire combien de fois un CDD pouvait être renouvelé. Oh, la nulle. Même moi, je le sais. Vous le savez, Patrick? Oui. Société. Insolite. Ah non, société. C'est aujourd'hui la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Ah bah voilà, c'est pour ça que je suis de bonne humeur. Oh. Mmh. Ah, c'est terrible quand même. Oh, c'est vrai, les humiliations, ouais. Les insultes, ouais. Les gifles, les grandes claques sur les fesses. Ah, je savais pas que ça vous aviez affecté comme ça, moi. Ah moi? Ah non, non, moi pas du tout. Moi j'avais un souffre-douleur à l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'il a appris? C'était la belle époque. Hein. Ouais. J'arrêtais pas de me piquer avec mon compas, de lui mettre du jus d'abricot dans les yeux. Non, mais moi c'était pire. Il y avait une tarée qui arrêtait pas de me piquer avec un compas, qui arrêtait pas de me jeter du jus d'abricot dans les yeux. Tarée, quoi. Insolite. Ah, super, c'est à moi. Insolite. Une famille de renards s'est installée dans l'enceinte du lycée Curie à Strasbourg. Ils ont profité des vacances de la Toussaint pour prendre possession des lieux. Tout de suite, un reportage sur place de Patrick Chanfray. Bah non, Patrick, ça n'a aucun intérêt. Mais si, j'adore les animaux. Bon, bah tout de suite sur place, un reportage de Patrick Chanfray qui adore les animaux. Oh la vache. Vous m'entendez, Patrick? Effectivement, Guillaume. Je suis en compagnie de Bertrand Renard, hein, qui est cousin d'Hervé Matou. Son oncle, c'est la fouine. Bon. Alors, bonjour, monsieur Renard. Alors, vous êtes installé ici? Oui? Oui, je me suis installé ici avec ma famille. Donc, on a fait un petit coin salon, une kitchenette. Voilà. Non, Paulin, ne cours pas autour de la route. Non, non, tu vas te blesser, Paulin, tu es con, ce gosse. Oui, alors, voyez, ici, tout le monde a le droit à l'éducation. Hein, voilà, même les... Ils ont pris allemand en deuxième langue, donc il n'y a pas de... Merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur Renard Chenapan. Sacré loup, sacré vaurien. C'était génial. Réseaux sociaux, 1 milliard de personnes se connectent chaque jour sur Facebook. Marrant, moi, j'ai pas d'amis sur Facebook. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous retrouverez la météo de Constance. C'était Aude Gonigoubert. Et Patrick Chanfray. Mmh. Et surtout, rappelez-vous que plus d'un homme sur deux est une femme. Mmh. Représente. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bisous.